Marie-Michèle Gagnon, Elliot Grondin, Olivier Asselin. Trois représentants du Canada aux Jeux olympiques de Pékin qui ont passé leur enfance sur les pentes de la même montagne à Lac et Chemin. Devant leur succès, la question se pose, quel est le secret du Mont Orignal? Le secret, c'est... Vous savez que notre devise, c'est que c'est convivial. Et puis, on vise beaucoup sur le sport familial. C'est un centre de ski familial. Le monde ici, on a énormément de bénévoles, on a énormément de parents qui s'impliquent. Je pense que c'est la qualité des formateurs, puis les conditions de piste, puis la fameuse passion qui existe dans la montagne ici. L'aspect familial, Marie-Luce Giguère est bien placée pour en parler. C'est ce qui l'a amené, il y a 26 ans, à inscrire ses 5 enfants, dont une certaine Marie-Michèle Gagnon, dans l'équipe de compétition du Mont Orignal. Eux autres, là, ils se retrouvaient avec une gang de petits amateurs fous du ski. Les sous-bois, ça revolait, puis ils voulaient skier jusqu'au soir. J'étais obligée de les arrêter parce que faut souper puis revenir le lendemain. Hein, fait que c'était vraiment des passionnés. Elle-même bénévole à la station, la mère de famille a vu la petite montagne grandir avec ses enfants. Écoute, on a fait un petit sport-étude pour les motiver encore davantage. Ils voulaient en manger, là, du ski. Fait qu'on a comme vraiment répondu à leurs besoins en créant toutes sortes d'activités pour les amener plus souvent possible ici. Aujourd'hui, la carrière internationale de sa fille Marie-Michèle fait la fierté de Lac et Chemin. Son nom est un peu partout au Mont Orignal, où une piste a été rebaptisée en son honneur. On l'appelle, l'autre, le pitch à Mitch. Une belle expression, là, un bon pitch dedans. Puis Mitch, c'est notre course, notre ambassadrice, si on veut. Là. Des ambassadeurs, la station en compte aussi chez les planchistes. Depuis qu'il est tout petit, Elliot se tient ici avec ses parents. D'ailleurs, ses parents skient encore ici à toutes les fins de semaine. Les succès du double médaillé olympique Elliot Grondin ne sont pas étrangers à un virage audacieux pris au Mont Orignal il y a une dizaine d'années. La construction d'un parcours de snowboard cross. La montagne, bien, quand on est arrivé avec notre projet, il était vraiment ouvert. Puis on a commencé par un petit parcours, puis au fur et à mesure, comme le club qui s'entraîne ici, Mox, ça a commencé à grandir. Aujourd'hui, la piste de snowboard cross du Mont Orignal accueille des compétitions nord-américaines et attire à Lac et Chemin des skieurs de partout dans l'est du Canada. On a eu Audrey McManaman, on a eu Liam Moffat, qui sont passés par ici avant d'aller aux Jeux olympiques. Elliot qui va pousser d'abord! Mais évidemment, nul nom n'est plus connu que celui d'Elliot Grondin, dont les performances à Pékin se font déjà sentir au Mont Orignal. Dans la fin de semaine qu'Elliot a gagné, on a déjà eu des nouveaux qui voulaient venir essayer le parcours. Puis même les skieurs, là, on a des nouveaux skieurs qui viennent. Et tout indique que c'est dans la Grondin que dévaleront bientôt les Olympiens de demain. Savez-vous que ça pourrait être une très belle possibilité? Il y a des bonnes chances qu'Elliot va avoir son nom de piste à lui.